Salut les gars, bienvenue sur la chaîne de Moyen Top, c'est parti les gars pour une nouvelle vidéo Clash of Clans. Les gars, ça fait longtemps et c'est très rare que je fasse des vidéos sur Clash of Clans. J'en ai fait il y a très très longtemps les gars, des lives. Et aujourd'hui il y avait le nouveau HDV qui est arrivé, HDV 14. Et je me suis dit pourquoi pas peut-être faire une vidéo et reprendre gentiment. Parce que moi je joue toujours les gars, regardez, je joue toujours au jeu. Mais je faisais pas de vidéo ni de live parce qu'il y avait personne. Et aujourd'hui, je sais pas, j'avais envie de faire une vidéo, donc je me suis dit pourquoi pas faire cette vidéo. Donc, vous pouvez voir que comme mon village, je suis un peu préma, donc j'avais amélioré, pour ceux qui savent pas, mon HDV, en fait, level max. HDV 12, après l'HDV 13 et 14, mais j'ai pas amélioré. Donc, j'ai commencé à un peu améliorer mes défenses et à rattraper ce que j'ai fait. En fait, j'ai fait n'importe quoi. Donc là, je suis en train d'améliorer les choses level max, donc comme les Arkix qui sont level max pour l'instant, donc pour mon HDV. Et les tours d'enfer aussi, ceux-là, ils vont être level max, ceux qui sont en train de s'améliorer. Celle-là, pas encore, mais bientôt. Donc, vous avez compris que je suis un peu préma. Et aujourd'hui, vu qu'à l'arrivée du HDV 14 sur le jeu, donc défi épique de la jungle, on a le défi. Donc où on gagne 400 points d'XP, 14 gemmes et 2 potions d'ouvriers. Donc qui sont pas mal. Donc moi j'ai déjà fait le défi, mais pour ceux qui l'ont pas fait, je vais les aider parce que c'est vrai que c'est pas facile. Je vais leur montrer comment faire ce défi. Donc allez, let's go, c'est parti. Donc pour ce défi, donc recevez ce que j'ai dit, le nouveau décor. Donc en fait, ça va nous permettre de voir l'HDV 14, l'hôtel de vie 14, le décor épique de la jungle. C'est parti. Donc je vais vous montrer comment faire cette attaque. Tout est donné. Donc voilà, on a le nouveau HDV qui est hyper stylé. Vous allez avoir 5 minutes donc pour faire cette attaque, ce qui est largement assez. On a donc les TDE ici au-dessus à droite, au-dessus, en dessous, les deux à gauche et à droite. Donc ce qu'on va commencer à faire, c'est au-dessus, à droite, on va commencer à placer le petit sort de clonage avec les gargouilles qui vont prendre gentiment les canons, la cabane d'ouvriers. Et en dessous, on va placer le petit bébé dragon. Donc qui va pouvoir gratter les deux petits canons. Donc après ça, on va placer, les gars, la reine avec les nouveaux compagnons et les deux guérisseuses derrière, les gars. Donc regardez-moi ça, le petit animal, donc les petits animaux derrière, les guerriers. Donc la reine, elle va gratter. On va bientôt placer le clonage. Pour les guérisseuses, donc qui vont aider à récup la reine. Donc dès qu'on a la reine qui a pris l'hôtel de ville, on est parfait. Ok, donc là les gars, on peut commencer à tout placer en dessous à gauche, donc ici, en dessous à droite, excusez-moi. Donc on va tout placer, les Valkyries. Ah ouais, et j'ai oublié de mettre ça au-dessus, hein. J'ai oublié de mettre la championne. Donc la championne, elle fait le taf au-dessus à gauche. Donc là en dessous, ça fait le taf, la reine qui est morte. Normalement ça doit faire le taf. Après c'est vrai que des fois la reine elle part, donc elle est pas bien placée des fois, c'est pas un souci. Donc si vous arrivez pas, faut juste essayer pour que la reine la relancer, pour que la reine reste en vie. Donc là on va activer l'ult de la championne. Normalement ça devrait faire le taf. Ok, donc là, aïe aïe aïe, donc là c'est foiré en fait. Parce que c'est que normalement la reine elle devrait rester en vie et la reine elle devrait nous suivre. Donc on va faire rejouer. Mais vous avez compris, donc on place toujours le sort de clonage ici avec les gargouilles. Là, le petit dragon. Là, on va commencer à mettre la championne. Donc là, faut commencer à gratter. On va essayer de faire tout ça le plus rapidement possible. Donc j'ai déjà essayé. Normalement, ça, on ne doit pas se louper, hein. Ok, la catapulte qui est prise. C'est parfait, ça. Et on va mettre les sorts de clonage pour la reine.
Il faut pas qu'elle meure. Ok, là on peut commencer à placer. Les gars, j'espère que ça va marcher cette fois-ci. Parce que normalement, les gars, le deck c'est. Non, la compo c'est ça. C'est vous devez jouer comme ça. Et là, vous devez tout placer pour faire le taf. Donc, regardez la reine qui a déjà récupéré. Donc, la reine, il faut qu'elle reste en vie pour tout pouvoir liquider. Donc, là, normalement, les gars, on peut faire un 100%. Normalement, on a large le temps. Parce que moi, pour faire les 100 étoiles, j'ai fait comme ça. Donc, exactement pareil. C'est juste, ça dépend en fait de la reine si elle meurt ou elle meurt pas. Faut avoir de la chance en fait. Faut essayer à plusieurs reprises. On va laisser. On va commencer à mettre un peu les petits ults là. Leur pouvoir. La reine qui est en train de m'en prendre cher là. Ok, la catapulte qui est mort aussi. Le canon qui est pris. Oui, la reine. J'ai très peur pour la reine là. J'ai juste pas envie que la reine elle meure. Mais vous avez compris les gars. Donc vous devez bien placer la reine et toutes vos troupes. Normalement ça doit jouer parce que j'ai fait exactement la même chose. Regardez, on a déjà pris plus que la moitié. Il y aurait juste au-dessus et en dessous là le petit côté à gauche. Donc ça c'est pris. Bah, tout ça va être pris. Easy, facile. Donc les 100 étoiles, je vais. Normalement au niveau du temps, ça doit aussi jouer. Le roi des barbares, ce qu'il fait, c'est pas mal. C'est qu'il va déjà prendre au-dessus à droite. La reine qui récup. Ok, c'est bizarre. Normalement, ils auraient dû partir en dessous. C'est parfait. Et là, il nous reste les deux petits canons et la cabane d'ouvriers. Let's go, les gars. On part sur un full perfect. Donc, vous pouvez rejouer tant que jusqu'à que vous n'arrivez pas. C'est juste une question de bien placer sa reine et que la reine parte bien. Donc, les gars, voilà. Un 100 sur 100. Temps restant, troupes déployées, voilà les gars, c'est incroyable. Donc on va faire entrer les gars, petite victoire. Donc c'est comme ça qu'il faut attaquer pour ce nouveau défi de la jungle. Dites-moi les gars si vous avez kiffé cette vidéo, si vous voulez plus de vidéos Clash of Clans, dites-moi dans les commentaires. Et si vous voulez des épisodes où on max l'HDV, où je vous montre ce que je fais, mes améliorations, mes attaques, etc. Dites-moi dans les commentaires et nous on se retrouve très bientôt les gars pour une nouvelle vidéo, un nouveau live les gars, ciao ciao.